En transition rapide, on essaye de mettre un petit peu de rythme. Et regardez la solution trouvée à l'intérieur. Et Gombo, premier à dunker, premier à scorer. Et la balle perdue pour Fischer, pris à contre-pied là. Et coast to coast, Brinton Lemar. Naras, on a trouvé le joueur libre, Kajamikin, pour resservir Williams Naras à 3 points. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud ce soir, Williams Naras. Un Terry Tarpey qui a décalé Abdoulaye Ndoye. Tir ouvert à 3 points, ça rentre pour Abdoulaye Ndoye. D'où l'importance de Terry Tarpey qui mobilise, bien sûr. Il manque, il peut être à plus 10 là. Si Tinkle est même plus 11 peut-être, ça rentre. Oui, ça fera plus 11 grâce à ce nouveau tir longue distance. Allez, le troisième carton de ce match, c'est parti. Ndoye qui a retrouvé Naras là et qui a plus qu'à mettre ce ballon dans le cercle. Puissante cette passe qui est arrivée jusqu'à Valentin Chéry. Abdoulaye Ndoye à présent et le MSB ce soir retrouve une adresse. Aïe aïe, il a loupé son tir, il a pas osé monter au dunk. Et la faute a été commise. Matt Morgan chargé de remonter la balle pour Le Mans. Ah, c'est simple, c'est beau ce que font les Manceaux. Troisième carton très très compliqué alors qu'ils étaient revenus à 10 points. Vinales qui au forceps met son tir. Fischer, on sait qu'il est capable, il les prenait avec Orléans ses tirs. Ça c'est bien fait. Ça va rentrer en plus. Elle va suivre cette action nancéenne là, les Manceaux. Et Fischer à 3 points, je vous disais qu'il était capable de les prendre. On reste à ces 12 points d'écart. Grand Sam qui est passé devant Kajamikin et qui vient. Et ensuite, défier du regard Valentin Chéry. Naras, fin de possession, c'est revenu sur Valentin Chéry. Et cette fois-ci, ça rentre. Il a pris un coup, Valentin Chéry. Il aura le N1 à suivre sans doute. Valentin Chéry qui se bat et qui va récupérer cette balle sous le cercle. On nage sûr avec Abdoulaye Ndoye. Le tir manqué de Goven, c'est Le Mans qui récupère. 3 secondes à jouer, Kajamikin. Pour conclure en beauté cette partie, Le Mans 94, Nancy 82. Le chrono qui va défiler.